Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du chant bizarre alors? Et salut tout le monde, c'est Burry Lace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God of War, la troisième vidéo. Donc c'est parti. Donc lors des deux précédentes vidéos, déjà la première on avait forcément commencé l'aventure et la deuxième on avait affronté un mec plutôt balèze. Il m'a fait bien galérer d'ailleurs. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Wow. On devait partir de chez nous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, faut passer par là ou quoi? Pourquoi pas? Soyons fous. C'est juste de repérer au niveau des touches. Ah, je rappelle plus trop. Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. Bah oui, forcément. Plus jamais seul, d'accord? D'accord. Ouais. Ouais, comment il traverse en fait? Ah, d'accord. Bon, ça va, il saute haut quand même, le petit. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux, ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Merde, non. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? J'avais même oublié de prendre l'épée. Je sais pas quelle était l'épée, mais...
Regardez un peu la carte vite fait là. Nous on est là. Ça c'est quoi ça? D'accord. Tu veux bien m'aider à monter là-haut? J'aurai une meilleure vue. Ah ouais, d'accord. Bonne idée. Ouais, je sais, merci. Atreus. Oui, père. Ce seau, tu crois que c'est pour les offrandes? Maman disait que les disciples d'Odin les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée des voleurs. Celui-ci a l'air très vieux. Stupide. Quoi? De vénérer les dieux? Les dieux n'ont que faire des offrandes. Et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. Père, est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. On peut monter là? Ah si, on peut. On va peut-être attendre en fait. Ça mène où ça en fait? En fait on redescend. Ouais, donc ça sert à rien en fait. Non, on va... Ah mais il y avait un truc là-haut. C'est quoi qu'il y a là-haut? Ah mais non, en fait ça sert pas à rien. Ah oui. Ouais, tu tires sur quoi lui? Merde, j'ai pas visé. J'ai pas visé. Comment ça s'ouvre ce truc? Ah merde! Ça s'ouvre comment ce bordel? J'ai oublié un truc là. J'ai oublié un détail là, je crois. Bizarre. Pourquoi il y a un coffre, j'arrive pas à l'accéder. Ah, j'étais à l'envers. Bah non. Bizarre. Je comprends pas là. The fuck. Peut-être un truc à faire, mais je vois pas quoi.
Bah merde. Ah, franchement là je comprends pas. Non, non, je comprends pas du tout. Moi c'est pas grave, on va pas passer notre vie là-dessus. C'est qu'un coffre. La triste, elle est où? Il est resté en haut ou quoi? Ah ouais. Allez, on monte. On se casse. Waouh. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés? Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Ça m'énerve un peu quand même que j'ai pas pu ouvrir le coffre là-haut. Il y aura un truc à faire, c'est pas possible. Enfin bref. Bref, bref. Continuons. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Il nous voit pas. Pour l'instant. Attends mon signal. Est-ce qu'on va les attaquer? Qu'est-ce qu'on attend? Oh putain! Atreus, concentre-toi! Les indicateurs de menace autour de Kratos pointent vers les ennemis hors champ. Indicateur doré signale un ennemi proche. L'indicateur qui tient en rouge annonce une attaque imminente. L'indicateur qui clignote en violet annonce un projectile à l'approche. Ok. Attends!
Dégage, micro. Ne les laisse pas souffler. Allez, chute toi, va te battre, microbe. Ah, tu sais quoi? Voilà. C'est bon? Comment c'était? Je t'ai aidé? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Regarde! Atreus. Et un campement de Yotnar là-bas. Des Yotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre. Prendre même si je les ai pas apprises, tu vois? À quoi ça sert les sauts là? Ah, d'accord. C'est pour récupérer des choses. Ok. Un peu de vie. Bon. Je pense pas qu'il faut aller vers là. De toute façon, il faut aller vers là-haut. Chemin de la montagne. Continue en direction de la montagne. Ok. Pour l'instant, rien de compliqué. Allô ? Foiré ! Je disais bien, il me manquait un truc. Non mais oh. Autre chose? Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Apparemment un nouveau... nouveau bestiaire. Je sais plus où on regarde ça, c'est là-dedans je crois. Relanceur. Oula, Dodi, Copmardre. Oh putain, hoche. Ouais, c'est les trolls, ça, je crois. Hé, on dirait qu'il y a un coffre là-bas. Ouais. De L. Attaque runique rapide. C'est une explosion d'énergie. Ok. Alors. Vous avez obtenu la gemme d'attaque runique baiser de L. Les gemmes runiques permettent de personnaliser vos armes pour effectuer des attaques runiques rapides et puissantes. Allez dans l'onglet des armes pour insérer. Okay. Donc. Attaque runique. Vous pouvez équiper gemme d'attaque runique rapide ici. Temps de récupération. D'accord.
cette défilée pour sélectionner l'emplacement de ta clinique puissante. D'accord. On va voir si ça fait son truc là. Ah, c'est ça? C'est pas mal encore. On verra bien. Bon, c'est un truc de base pour l'instant, mais bon, c'est déjà pas mal. Quoi là, bordel? Je pense qu'on peut aller par ici. Ouais, comment? Maintenez là puis appuyez sur un pour effectuer une attaque runique. Ah d'accord, ok. Wow, comment t'as fait ça? Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Il est pressé. Accroche-toi! Vite! Je glisse! Reste calme! J'y suis presque! C'était pas si mal? Calme-toi! Ton empressement nous tuera! Désolé. Qu'est-ce que ce bordel? Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Le niveau de difficulté des ennemis est représenté par la couleur de leur jauge de santé et le chiffre situé à côté. La couleur des jauges de santé des ennemis varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparée à celle de Kratos. D'accord. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Hein? C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Ouf. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Bon,
Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Il y a quelque chose là-haut. Où? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière le mur. What? Où ça? Putain! En plus, je suis bigleux. Rigole pas avec eux. Ok, on passe aux choses sérieuses. Voilà. S'en fout cela. Pourquoi? T'es même pas fatigué. Mais par contre, je les ai même pas vus arriver, quoi. Je sais pas d'où ils sortaient ceux-là, mais... Regarde, il y a une ouverture là-haut. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du chant bizarre, alors? Putain, je sais pas pourquoi je sens mal. C'est sérieux là? Non, c'est une blague. Putain, mais m'énerve, hein. Ah, je vais crever, hein. Putain, franchement chaud. Là, franchement chaud. Quoi, une autre? Comment ça, une autre? Tu veux pas me dire une autre? Attends, tu fous de ma gueule, là. Ça y est. La difficulté arrive. La difficulté arrive et ça, c'est pas cool. Mais qu'est-ce que si on s'approche du champ bizarre alors?
Putain, mais j'étais à deux doigts de la buter. Oh, c'est abusé là, la difficulté là. C'est un truc de ouf. Moi j'ai un peu compris comment il faut la battre, mais bon. Tu vois. Mais on s'approche du champ bizarre alors. Bien joué! Ça, c'est du travail d'équipe. Putain, c'était chaud là. C'est pas évident ce combat là. Pas du tout même. Coffre là-haut. Il y a un truc là-haut, je vois pas c'est quoi. C'est pas grave. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi. Pas du gâteau. Allez. Ah!
Ah, ça fait laminer cela. Ça a compris. On est où? Terre, ça pourrait nous intéresser. Oui, t'inquiète. Je l'ai vu cette porte. Atreus. Bien. J'ai déjà vu ce langage. Encore des trucs à ramasser. Ouais, on va un petit peu encore 5-6 minutes là et on arrêtera là. Là, Atreus. Donne à un autre. T'as dit que son nom est Rungnir. Mère m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot. Deuxième fresque trouvée. Bon. Du coup, faut aller où maintenant? Par là? Ouais, ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas ouvert tout à l'heure. Hein. J'ai pas réussi à l'ouvrir l'autre tout à l'heure. Ça, c'est le même. Peut-être un bug, je sais pas. Bon, faut aller où là? Je suis un peu perdu là. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir ici. Faut qu'il faut aller là, ça m'énerve. Par là. Ah, c'est pour remettre ma... C'est quoi ça là-bas? Un rage au maxi en fait. C'est bien ça. D'accord. Parfait. Il doit y en avoir encore un. Je vois pas qu'il est. Je pense pas que ça soit aussi loin. Je pense que c'est dans la même pièce que le coffre quand même. Ça paraîtrait illogique que ça soit aussi loin.
Ça va être aux alentours quand même. Mais où? Ça c'est une autre question. T'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Bon, comment je fais pour celui-là? Ah, il est là-haut l'autre, putain. Bien. Je me suis raté, je crois. Encore raté. Putain, il est si loin que ça. Arrête. Merde. Trop. Putain, c'est pas possible. Oh, j'ai réussi. Putain, vache. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah. Pomme des dunes. Légendaire, vous avez collecté une nécessaire à l'augmentation de votre santé max. Les pommes des dunes sont la nourriture privilégiée des dieux. Au total, 9 pommes sont cachées dans le monde. Les deux chaînes, peut-être ? Dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. D'accord. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo sur God of War. J'ai un peu galéré tout à l'heure avec l'autre là. Des revenants là, putain, t'es vraiment casse-couille. Mais sinon ça va aller, ça va franchement. Faudra que je pense aussi à mettre les points. Faudra que je regarde ça la prochaine fois. Sinon ben voilà quoi, y'a rien d'autre à rajouter. Non. Donc on va sauvegarder et on va quitter. Voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo là vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Donc sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.